Chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. C'est avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, de vous présenter cette émission. Et je crois que vous êtes très nombreux. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec mon confrère Dadi Kianza. Avec lui, on va essayer un peu de parler de grands événements qui se préparent déjà le 31 mars. Ici, dans l'enceinte de l'église, sur le chemin de Maïs. Shalom, frère. Shalom, Rosette. Donc, c'est un grand événement qui se prépare déjà à l'horizon du mercredi 29 au vendredi 31 mars 2017, à l'occasion des festivités du mois de la femme, puisque ce mois ici est dédié tout simplement à la femme, internationale, et en particulier, comme nous sommes en République démocratique du Congo, donc la femme congolaise. Voilà. Voilà, merci beaucoup à toi Dadi, la femme congolaise, la femme chrétienne, qui est très importante dans cette émission. Et voilà, sur ces plateaux, nous avons deux mamans de l'église, sur le chemin d'Emmaüs. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Et je crois bien vous le remarquez déjà que nous sommes avec, les mamans ne sont pas seules, nous sommes avec la maman visionnaire de l'église sur le chemin d'Emmaüs, maman prophétesse Petroni Mukandi qui est avec nous. Shalom maman. Shalom. Voilà, oui, c'est Mouzali. Et ça m'a cassé. Amen. Voilà, Nzambe moko yebi, toujours bel comme tali, si j'ai mon aîné, lève-toi. C'est la femme qui doit se lever. Femme, lève-toi, c'est ça. Voilà, femme, lève-toi. Et ma maman Mazel Bosso la Bisson, j'aimerais quand même rapidement, tout bon maman Mazel juste. Je vais prendre de maman Marie. Maman Marie. Oui. Voilà, maman Marie, tout ce que je veux dire, c'est un beau caillou. Tout ce que je moi c'est à Téléma. Pourquoi moi c'est à Téléma? Tout ce que moi c'est à Téléma, puisque moi c'est à Téléma. D'abord, la femme, c'est un autre qui dit, a doté avec beaucoup de capacités. Il y a de ces femmes-là qui se négligent. D'un moment, on voit que c'est nécessaire pour que la femme puisse se ressaisir. C'est ainsi qu'on appelle la femme à s'élever et mettre en pratique ce que Dieu a mis en elle. Par exemple, je peux donner l'exemple d'Esther. Il y avait des choses qui devaient se faire, exterminer sa génération ou bien tout le monde de son pays. Elle s'est ressaisie directement. Anne, il y avait des capacités qui étaient capables d'arrêter cette situation-là. Elle a dit non, si j'ai appelé mon Dieu, que je connais le Dieu d'Israël. Amen. Elle a fait ça. Elle a fait 3 jours. Elle a dit, s'il faut mourir, je vais mourir. Je vais entrer chez les rois pour chercher l'intervention. Elle se levait. Elle s'est ressaisie que quand même il y a des capacités qui peuvent mettre fin à cette situation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'au Congo ou encore dans cette église, il y a des stères, des femmes comme Esther? Il y en a, sûrement. Je mets des mains. L'église est tirée par Jésus-Christ lui-même. Cette église est dirigée par Dieu lui-même. C'est une église qui est faite par la recommandation de Dieu. En commençant par le message que notre maman a eu, elle a présenté ça chez notre papa qui est le visionnaire, papa Henri Moukant. C'est ainsi que l'église est en marche. Nous sommes sur le chemin des Mars. C'est-à-dire que nous sommes accompagnés par Jésus-Christ. Merci maman Marie. C'est maman Marie qui est aussi une prophétesse parmi les oratrices, hein, j'ose croire. Elle est parmi les oratrices de ce grand événement. Il y a ma maman et aux Alanarat et l'église. Mais Léon a compris que la moni, moi tout à l'heure, je suis tout à qui, tout à l'heure, papa. Mais Léon, vous avez moi de la femme. Ma maman. Elle dit que le gamin était ma pétronie. Elle a expliqué que le gamin était bien. Il y a un bon bébé, on a mon panzi. Mais la moni, pour ça, maman, on peut s'absorber comme maman. Comme on a maman Bitli Moneli Bolondo. Ou bien on a comme on a Bolondo. Papa Bolondo. Parce que Papa Bolondo, maman Bolondo, excusez-moi, pour papa Karakomo Bolondo, il y a beaucoup de 1 plus 1 égal à 1. Alors, moi, si t'es l'aimant, maman Bolondo, surtout qu'on prend la montée. Pour tout le monde, on a battu un mousseau sur moi, c'est la maman Fofo. Moi, c'est un qui est de Woods. Mais pas la bino, si le chien vous a rendu un thème, la bino, mon ressort, moi de la femme, moi, si t'es l'aimant. On peut te savoir si tu es là, Gambia. Maman, moi, si, où est-ce que moi, papa, maman? Maman, moi, c'est Téléma. Le coup, on a proverbe.
31-10, moi soyo, Azali, à côté, les mandés, moi soyo, au bal, n'y a pas sa caille valeur. Abi Azal, au coup là, et le quoi, mon tout, y a pas mon bal. Mais moi, c'est un wako salandéni. Azali, moi soyo, y a son guisongité. Azali, moi soyo, comme le massanga, pour l'angoité. Azali, moi soyo, y a tambour la canaille, comme t'es. Moi soyo, à côté, ma, pour aveiller, pour l'andarnaille, Azal, moi, c'est prier. Moi c'est à Yesu, ou à Alati Yesu, à Meli Yesu, Katinaye, Dazari, moi sur Koko Kote, le Manakati, Yanda Kunae, pour la sécuriser la vie à Mobagne. Amen. La zone est pas oratrice, Moussou, Maman Marie, ou Taki Koloba, Awa, ou Bakelo, ou moi, mon tout est la zone en Naye. Mais si Koyo, n'a pas maman Bazolanda, pour la Baya Moukoloana. Le 29, le 30, le 31. Et le koni ni yomo kono yeb sabiso particulièrement au ici maos kangamana zambana ko mi bengi mama katina yesu le loko parmi peba oba ko yaba yoka yoke mukolana et le koni nabo yomo ko yesu asalela. Ah c'est Jésus là asalela ngama kamba mbiene et asa makambo na okiko yeb sabat o basi bal kora kini manage na wa. C'est Jésus là utilise particulièrement comme une messagère, il m'a dit d'aller partout au monde. Quand je me vois que je suis une femme, c'est Jésus-là me considère. D'où en moi il y a des capacités. Avec ces capacités-là, je voudrais c'est que tout le monde qui se dise femme, qui se sent complexé parmi les hommes, de s'élever aussi, regarder de gauche à droite. Dire que je suis, je peux faire plus que ce que les hommes font. C'est pourquoi on voulait parler aussi à d'autres moments, leur dire que vous êtes capables, vous ignorez vos pouvoirs que Dieu vous a donnés. C'est pourquoi le 29, le 30, le 31, nous invitons beaucoup de mamans, de part et d'autre, voire même au-delà de notre pays, qui nous suivent. Ils viennent aussi découvrir ce que nous avons découvert. Merci. Amen. C'est sur base de quoi vous avez intitulé ce thème « Femme, lève-toi » puisque vous-même, vous dites que non. Selon la Bible, la femme doit être soumise à son mari. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'amener par rapport à ce thème à une révolte. Au moment, je ne sais pas comment est-ce qu'elles doivent se révolutionner. Est-ce que contre leur mari ou c'est par rapport aux vies actives au sein de ce monde cosmétique? Non, ce n'est pas révolte comme vous avez dit, papa l'a dit. Puisque si vous recourez encore à la Bible, dans le livre de Pierre, dans son troisième chapitre, verset 1 jusqu'à 6, vous allez trouver là, on peut voir que dans l'homme, il y avait le pouvoir que Dieu avait donné, mais il lui manquait quelque chose pour qu'il puisse revenir à Dieu, commencer à les suivre. On a écrit pour dire que femme, soyez donc soumise à vos maris. Pas à n'importe qui, pas à un mari d'autrui, pas à un licant ou quelconque, mais à vos maris. Parce que si vous êtes soumise, l'homme va aimer, va s'intéresser, s'attacher à la femme à partir du caractère de la femme, de la conduite de la femme. L'homme va se ressaisir pour dire non, c'est nécessaire que je puisse suivre cette femme. L'homme te demandera avec son orgueil. L'homme est toujours orgueilleux. Il restera toujours homme. Mais la conduite de la femme, le caractère, la façon et la manière qu'il s'adresse à l'homme, même si l'homme est méchant, comment? Si la femme s'est réduite un peu pour avoir l'âme de cet homme-là, elle va ramener l'âme de l'homme chez Dieu. Et l'homme va commencer aussi à prier et suivre Dieu. Mon mari qui est pasteur aujourd'hui, il répond au nom de Daniel Vita. Moi, je réponds au nom de Marie-Connette Vita. Vita, là, c'est le nom de mon mari. Mon mari n'était pas pasteur. À partir de mon caractère, ma conduite, ma façon de vivre avec lui, il a tiré quelque chose qui était en moi. Il a trouvé que c'est nécessaire de suivre Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur. Moi, je reste toujours mari. Mais je sais que j'ai déjà gagné une âme que Dieu avait réservée pour que je puisse gagner d'amour. Vous êtes aussi servant de Dieu, pasteur aussi quelque part ou encore prophétesse. Or la Bible vous interdit de prêcher, d'enseigner. Mais aujourd'hui vous demandez à la femme de s'élever. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci Maman Rosette. C'est Paul qui avait dit, ce n'est pas Dieu. Paul a dit d'après moi Paul que la femme s'était dans l'église. Et Paul n'est pas plus grand que toi? Il est apôtre. Moi je suis servante prophétesse. Mais Dieu appelle les gens d'une façon ou d'une autre. Dieu l'appelait à son temps. En mon temps aussi, je ne vais pas me taire. J'ai d'abord commencé par mon mari. Comme la Bible nous dit, commencez d'abord à Jérusalem. Amen. J'ai commencé par tirer mon mari vers Dieu. Aujourd'hui, il sert Dieu comme il le faut. Moi aussi, je ne me reste pas et je continue le chemin. Et je ne vais pas me taire. Je vais continuer puisque Dieu me demandera un jour ce que je fais. Voilà. Moi, c'est Télémon.
maman va se la mettre au moment où si bien les mains qui les mamans déjà ouais maman Maria au tout ce que le balai au moins très très important je m'assure que maman Bolondo va au le bonheur de maman parfois va se battre dans la bise moi c'est tellement moi c'est la qui à ça qu'on comprend que ma camarade mais les autres les autres temps bolot bien amis par rapport à ça moi si wana ou wana alala que moi si wana zangi yesu alali parce que moi c'est à yesu qui a coté les mains pour accouver pour la tape naie accouver la tape naie côté là et c'était alali nani alali pour la zoo alali pour la nini pour mon bade azuma kango doyo alali alali la tape naie pour la nini aujourd'hui quand on cherche bosso au kamati zoo cherche bosso t'es maman kamata yesu cherche bosso yesu soka zali fondation ya libala na yo okumona ke okotelema mais soki yo ozali na fondation ya kutime ya makambo ya kiliki ya kumela mayambi ba makangu banini unazua ucheli bosso kusimba te mais soko zakati na yesu okotelema poko yeba kete oliena mubali na ngazi mwasi msusu oliena ina mubali na ngai na bondela na zongi sabo ni wakati ya mubali na nga akuzongela nga ata akindaki donc une femme na kati na ye zoue fwe longwa elongwa makamunyo soma be songi tout ça elongwa aza na ndenge nisi aza na bolingo na mubali na ye kodinga pe kozala mwasi oyo kakayoka kalibanda te kotiaka sentinelle te sentinelle boso ya malamu ezali Saint-Esprit amen. Sentinelle, il y a ma lame au père Liboso, Ezali Saint-Esprit, amen. Maman Bolondo, Ndengo, Tchouba. Mais tout le monde a quand même groupé maman. Ils ont peut-être séminaire, tout le monde a Liboso, Bozo, Saint-Saté, dans l'église, tout le monde a. Alors après, ce total, il y a une édition, il y a une salade, à table, tout le monde a pensé en gros, il y a. Mais ma maman mingi oto mona kati na Yesu Ndengo Lobiana. Lobi moi sur Alala, ou Ezali Bana na Yesu. Mais bah, ou baza kati na Yesu. Tous les gens qui ont besoin de réunir, mais ceux qui ont besoin de vie active, de vie active, de foyer, et de vie active. Si vous avez besoin de vie active, vous avez besoin de 10-20 ans dans l'église. Vous avez besoin de contaminer le corps, maman Marie a contaminé papa comme pasteur. Si vous avez besoin de vie active, malgré 20 ans, mais changement de mon côté, vous avez besoin de vie femme, lève-toi. Vous avez besoin de 29 au 31. Ni n'y a pas de particulier pour vous dire que vous avez besoin de Saint-Esprit ou non, ou de Saint-Esprit à vous apporter, battre les malissus. Merci, Papa Dadi. Moi, c'est au monde qui est un découragement. Pour nous soutenir, nous sommes en train de se faire, pour nous soutenir, pour nous soutenir, pour nous soutenir, pour nous soutenir, pour nous soutenir. Ce qui est mon bâtiment, c'est ma papa, papa David. Il faut que je me pose une question. Est-ce que mon bâtiment a bien pour nous? Où est la conduite de nos actes? Il faut que moi aussi, où il y a des années, je suis venu à la maison. Au lieu de décourager, on a oublié une église. Combien d'églises ont changé les années? Ils ont changé les années. Amen. Où place où ils ont commis ça? Ils ont commis le. Mes balles basent à mes balles. Ils ont basé ça à mon. Amen. Ce que ils ont mis balles mes balles n'ont pas. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à l'enseignement de sa maman? Est-ce qu'ils ont suivi ou l'entendu que ma maman va se comporter comment la bande par rapport à l'enseignement de sa maman? En tout cas, suivi Ezali pour témoigner, je papa va témoigner. À partir de la maman, je vais vous parler de ma maman. Pour ma maman, je vais vous parler de ma maman. Mais na pesa basinema nyoso na kubungisa mbeto olamba swe anjoto ba papa ba kubiko ya kutemwanye na wonyo nzambe so sala na ngolo na nzambe. Voilà maman Marie le 29 le 30 le 31 exactement ça va commencer à quelle heure et minuit wana et wana hernini aussi la hernini alors premier jour nani à côté et deuxième jour nani pas côté. On commence à partir de 16h chaque personne va prendre au moins 30 minutes ou 40 minutes. Il y aura maman Lili Bolondo, maman Marie Rita, et enfin notre prophétesse Petroni Kamanya. Je me vois dans.
retenir ma maman. Donc du 29 30 au 31 dans l'église sur le chemin de Maos. Vous aurez déjà l'image, les autres au monde en est, toi, le chantier, non? Oui, ils ont chantier. Mais maman, professeur, ça promettait, elle était déjà à nous, avant ici, là, déjà. Pour te remarquer, déjà, maman, bah, elle s'est couillée. Oui, oui, en tout cas, papa, bleu, les aigus, bébé, les mouvés, déjà. Je crois que Dieu continue à faire quelque chose dans cette église. Donc, maman, vous m'y tombez, ça, tu maman Nelly Bolondo, prophétesse Marie, na prophétesse Kamonya. Maman, je vais vous dire, Chomboani. 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 C'est nous, la petite. Voilà. Ça fait tellement de bien quand même. Maman Petroni Moukandi. Ah, mais tant que même. Mais le nom d'origine, c'est. Elle est devenue Petroni Moukandi quand elle s'est mariée à papa Henri Moukandi. Ouais. Mais le nom d'origine, c'est Petroni Kamoya Tchomboale. Tchomboale, nous qui fait vibrer les ténèbres. J'invite vraiment à dire, tu es bien à ma pauvre. Voilà, voilà, au nom de cette église sur le chemin de Maïs. Mais na kombo ya bakambi ya glizo. Tu bani na mama prophétesse Mukandi Petroni, peto suki bomo na chomo walenga. Voilà, peto suki na pasteur. Ah oui, ça nous intéresse aussi ces noms là. C'est très 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 génial en fait. Toute l'explication là. Voilà. Au nom de cette église sur le chemin d'Emmaüs, na kombo ya pasteur Henri Mukandi, na kombo ya mama prophétesse Petroni Mukandi Tobengi Siba Maman Nyo Sopi province à Kinshasa de partout. Bozo Landabiso Boya et Bélé le 29, le 30, le 31, car à l'église, à partir à Hermes. 16h. Ce n'y a surtout un rocam théa, ozo sena qui passe ba télé. Voilà. Et ça y a fouille, vraiment. Mais dans ce monde, est-ce que Maman Marie, Namounyaka ba maman, ba maman, ce qu'on colango du 29, 30, 31. Kaba maman ba maman ba ya sur ba papa pe ba ko bénéficier. Non, il y aura des papas. Les mamans sont accompagnées par les papas. Leurs maris seront là. Nos frères, nos jeunes frères qui viennent de se marier sont là. Tellement que notre église a eu la grâce de Dieu. Presque à la fin de chaque mois, il y a les frères qui se marient. Nous avons beaucoup de nouveaux maris aussi. Il y a leurs amis, de jeunes frères sont là. Il y aura aussi les hommes qui viendront entendre parler de la femme qui doit se lever. Puisqu'il y a des nouveaux, des fiancés qui cherchent maintenant à avoir vraiment les fonds de la femme. Les prétendants. Oui, les prétendantes. Comment les préparer aussi et comment faire un bon choix. Et comment tomber sur une bonne femme. Comment tomber sur une bonne femme. Femme, lève-toi. Maman, expliquez-nous un peu. Femme, lève-toi. Naïbité. Maman, je suis le poteau mingi. Mais tout ça, on a perçu dans mon amour avec moi. Moi, la psyche, c'est pour moi. Pendant moi, je suis le poteau mingi. 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 Je suis le Panza mon penana na lingala bien. Ma maman, moi si télé. Parce que moi si au temps de tout la maman Marie prophétesse Marie na télévision si cool. Tant ba koya ba fanya. Ba si ami tout passion surtout mi oui mikolo tema mikolo. Parité. Ba si parité côté tina nda. 50-50. Donc on sentit que comme mikolo koto cheto che. De mon bali goutaza et l'eau à l'obaté. Encore, moi je suis licencié, je suis grand. Alors, tridoc, moi je suis tridoc, mon bali gradué. Bah, c'est un maman Marie Batal, aujourd'hui, ça va sur femme, lève-toi. Bah, vous c'est des vaisseaux, on a 50-50. 50-50, la parité, on a selon les hommes. Mais selon Dieu, la femme, c'est une aide semblable. Amen. Elle doit être là pour aider l'homme dans ses faiblesses. Quand les gens disent que la femme est faible, c'est le contraire. Devant Dieu, c'est la femme qui est forte. Puisque dans les faiblesses de l'homme, la femme tient l'homme à la main pour l'encourager, le lever, l'accompagner avec la prière. Enfin, ma téléspectateur n'a mis tonité pour le bien mon amour pour la Voltaire. Ce que nous sommes sur la RDC, la Kim. Ma RDC, nous avons mis en boca. Moi, si télément, il y a pas pouvoir, on a mis en boca. Une femme, c'est une donneuse de vie. Là où il y a la mort qui s'approche, toi, tu précèdes pour donner la vie, surtout aux maris, aux hommes. Mais il n'y a pas de bazar pour que tu ne sois pas en boca, tu ne sois pas en boca, tu ne sois pas en boca. Mais il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas brûler ton étape. Si ton mari tire lui en arrière, dis-lui mon mari, tu vas mourir pour rien. Je suis une aide semblable pour toi. En moi, il y a tout. Que cherches-tu? Mais non,
la femme est plus gradée peut-être dans le niveau intellectuel, il est vraiment plus diplômé, oui. Licencié peut-être docteur en droit, mm-hmm. en économie, et l'homme peut-être décis, mm-hmm. mais qui ne sait vraiment pas tenir le monde, surtout que peut-être un salaire au monde, à moi si salaire à l'école, on va arrêter peut-être que nous sommes tous les gens qui sont tellement amoureux, on peut s'en faire des tiges, femme lève-toi. Tu peux pas te dire, tu peux faire tout, parité et le bien l'opposé, il faut moi si à Zonga ni Bandeli. Ndenge nzamba lobaki aza exemplable ata kaza aza docteur ata aza docteur agrégé mais mobali aza simple de 6 ans zonga kana kati donc je suis inexemplable pour cet homme. Amen. Moi si il faut asuna kaka mobali tout qui n'est pas ito zonga aza muto apesa ka bon mon place pour fois eza moi n'est pas bazo pour fois pamba pamba mais toi quand tu es une femme qui a déjà compris qui a déjà reçu Jésus tu te ressaisis tu dis à moi il y a des pouvoirs que Dieu avait dotés puisque le premier jour quand Jésus est ressuscité le Pierre les gens sont venus regarder dans le sépulcre ils ont dit c'est l'homme qui y a tout le temps là. Mais quand Marie de Magdala est venue, il dit, je ne peux pas partir sans connaître là où on a vu mon maître. Amen. Amen. Et quand le maître a vu le pleur de Marie de Magdala, elle a dit, non, je ne peux pas me cacher si longtemps, bien que je ne suis pas encore montée en haut. Alléluia. Elle a dit, Marie, elle a dit, Marie, aux apôtres que je ne suis pas mort, je suis vivant. Amen. C'est vers là que la femme a pris l'évangélisation. Amen. Aujourd'hui, on peut dire que moi, c'est un raté. Moi, c'est tellement, on se rappelle de tout ce que Jésus a fait pour nous. Ah, yes. Laissez la dire. Oui. À tout mise, nous avons un bon moment. Moi, c'est un raté. Et soit Rabino Boali. Soit Rabino Boali. Et soit Rabino Boali. C'est comme s'ils sont dans l'ignorance. Et soit Kate. Tous les gens qui ignorance, ils ont la Katia, papa, ils veulent nous prendre comme des histoires. Nous sommes un autre humain, puisqu'on nous a créés au même moment, mais la femme était incarnée dans l'homme. Moi, je vous soutiens, vous, les femmes, il y a côté. Et le ministère, parmi les disciples de Jésus, il n'y avait pas les femmes comme apôtres, comme disciples. Vous allez me contredire aujourd'hui. Je ne contredis pas, je te dis que juste un Dieu de temps et de circonstances, il savait à quel moment il pouvait lever la femme. Pour que la femme et comme tu dis là dans le ministère là qu'on a écrit dans la Bible on n'a pas énuméré que ça c'est l'évangélisation pour les femmes, ça c'est les docteurs pour les hommes, ça c'est les pasteurs pour les hommes. On a dit le ministère. Cinq ministères. Et la Bible me dit au dernier jour je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les femmes prophétiseront. Amen. Et dans les cinq ministères, il y a la prophétie. Oui. Si c'est comme ça, tous les prophètes se taisent alors. C'est, ils doivent se taire. Oui. Parce que parmi les cinq ministères, il y a la prophétie. Amen. Le dernier jour je répandrai mon esprit sur toute chair. Les filles prophétiseront. Oui. Oui, c'est bien précisé. Moi, les qui est bien, il y a prophétesse. Maman Pétonine Kani, ou à défendre valablement le communauté de Bassi. Ton père, ce diplôme a mérité bien. Il a évité la photo sur la moi. Alors, maman, pour faire test au couturier, maman, on repose. Là, il y a eu le zate, mais. Zon la gare, la katima. Maman, pour faire test, il y a eu le lève-toi. Depuis que la Bible, il y a des femmes sages, il y a aussi des femmes insensées. Vous connaissez que tous les catégories, il y a Bassi, il y a eu le katima. Le 29, le 30 et le 31, Bible est zolo va bien, Bible est clair. Il soit là qui pour n'avoir tout malam t'es. Si pas tout nion son amouki, il basala qui bien. Aringaro sali. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde, il a vu comment le monde était dans les ténèbres. Zamba mona ki ndenge injustice et zalaki. Ils étaient l'homme et la femme. La femme a pris le fruit. Elle a mangé, elle a donné aussi à l'homme. Si l'homme était intelligent, il allait refuser. Mais pourquoi il a mangé? La terre ici est maudite à cause de l'homme. Dieu a dit la terre sera maudite à cause de toi parce que tu as obéi à la voix de ta femme. Tu vois? Est-ce que les hommes aussi? Mais pourquoi aujourd'hui la malédiction de la femme est élevée, la malédiction de l'homme est comme ça? Non, tous, la Bible nous dit tous. Empêché. Ils sont privés de la gloire hein, de Dieu. L'homme et la femme. C'est la maman Nyonso et Bazota la Fisso le 29, le 30 et le 31. Maman, au Vandana, Yote Ose, Logoto Zamut. La Bible nous dit il les créa tous à son image. Amen. Architecte, Sam.
au moins l'église n'a pas besoin avant tout ton gango architecte a qui a commis tout ce qu'il a écrit, c'est ce qui est en train de se passer. Mais Namutu Nzambe, il a créé l'homme et la femme. Il les a créés tous à son image. Mune nzala kité, muka nzala kité, mabe nzala kité. C'est quand l'homme et la femme basale lisson. Aujourd'hui, si on me dit moi une femme que je suis malédiction, mais Jésus-Christ a transporté les malédictions à la croix. Comment les malédictions là, Jésus a transporté les malédictions pour les hommes et non pour moi. Nous loin de là. Maman nyon sans autant la maman. Lève-toi, conscience na yo et sale. Amen. Au côté de Bala, c'est bien. C'est bien pour Bala. Au Balit. Mais na minute elle mususu kindo ki poti kita. Ozana mo Bala na ndako ko moti ka yo ki me me Bala mususu. Au Bali 5 ans après ko mo luka divorce. Mais une femme remplie du Saint-Esprit a ko divorcer té. Mais basi nyon so bazota la nga ozana ignorance. Bible le bipo na moi si soko divorcer ko Bala moi si mo Bala mususu té. Soko Bali mo Bala wana nyon so bazosa na mo Bala wana. Eze ko bo stadi basi nyon so ba divorcer. Au Bala mo Bala mususu ozosa la no eloko to bengi eko. Impudicité. Voilà. Maintenant, là, nous sommes le moi, c'est ça la nini. Télé, ma côté de mes années. Côté de mes amis, pour que je me sente. Côté de mes amis, pour que je ne sois pas en train. Nous sommes le cas d'exemple. Il y a moi, si je suis la Bible, où tu es Jézabel. Et ça n'a pas été bien, mais ça a fait que ce qui est Bible, c'est le cas de Jézabel. Il y a Jézabel à l'église. Jézabel a la Bible. La Bible, c'est contredit à Kate. Mauvaise femme, il a mené le fétiche. Ba conseil ya mabe pa mobali na ye ba conseil ya mabe wale tindiki ke malédiction kota na foyer na ye mais siko yo biso Yesu akufa ki ne kulusa lobi oyo nyoso kondi melaye akozala na bomo ya ya seko mama ozoyo kate oza wana e mususu oza fenêtre e mususu oza trou telemat okendaki mbala liboso ozizemi ya mibale ozizemi ya misato ozizemi osoboti deja bana ndenge toza na ba province na ba province nyonso oza na bana yo mwasi wana nde Yesu akufelaki na lekulusu e mosusu okoma otala bana wana ozolomena okende na bango wapi lessai de guerre nazozela yo le 29 le 30 le 31 Jésus Christ akufaki mpona basi ntango mibali babatamaki basi balobaki biso tokolongwa te foto ye babisika batye mokonzi na biso mokonzi bekoza comprendre ke il faut mwasi asosola il faut mwasi atelema ayebisi bango nayebi mibali depuis jardin d'Eden aliembuma miso na efungwami abatami olia loba nzambe limbisanga aluki raison mibali nyonso balukaka kaka nini raison yango mwasi soki obali zala na eloko oyoke mibali bazaka na nini na raison nde okovanda na libala soko comprendre ke teke mobali azaka kaka na raison te obengami mpo bala te yango tozobenga yo le 29 le 30 le 31 okotakao me obimi le 29, le 30, le 31, au Kotakao, Bimi, ok. Moi, je suis oh, maman, prophétesse, Moussa Kounanko, la lobby. Merci, maman. Je crois que ma maman va se bêler. Bien que tu sois oratrice, va avoir un jour. Voilà. Et maman, tu fais mal au bas, expérience, maman, topé par rapport au thème. Maman, tu bannis Nayo, c'est présenté au PC Combo, ou est-ce que maman, je suis en par rapport à Miguel Mine, vous avez dit ça. Merci beaucoup pour la parole. Nga Kombo Nanga, maman, Mado Tumba, Nazar, na groupe évangélisation. Nazo benga ba mama nyonso botelema. Poto zo mona na kunda Yesu evangeliste liboso zalaki mama. Mama nde akenda ko mona sika ba kunda ki Yesu. Ba papa nyonso batika laki bazo banga. Yango nazo interpeller yo mtozo landanga. Na ba situation za na ngona ba problème ba difficulté za nango. Mama telema na vie de prière. Mama kanganda kuna yo. Telema bundela pona bana na yo, bunda pona tina ekolo na yo, bunda pona tina libota na yo. Yango nazo interpeller yo toza na 3 journées awa. Yom tozo lela lela et l'autre côté zotambo na bomu na yo ozana ba situation difficile obelela nzambo izo ya noté mama ya komeka biso tomeka tomona monena nzambe bisike banda ko tambola te tambola bano ba banda ko tanga te ba koma ko tanga tomona ya minene na kati ne tonga oy yango na zobelela yo mama telema ya komona miracle nzambe na kati ne tonga o tanga. Merci pour la parole Kombolanga mama Philomène Sango. Nazali évangéliste, n'église sur le chemin de Maous,
na sala na nzambe na kambara mama kat na foi thème na biso ya lelo ezali mama lève toi et marche na mukuse na koloba ke mama longwa na distraction ya kana Yesu yo okwei osalaki mabe okoteki na banganga na makama mabebele mais ma commune bi souviens toi là où tu es tombé et repens toi bisko kwe ki mama telema telema bongola kaka motema longwa kat na distraction ya katoza na trois grandes journées na biso to bongisi pona ba mama mama oya klala ki mama oya kwe ki kat na mabe kat na masumu le mayaka le 29 le 30 le 31 mama okozala de cité nzambe a ko visiter yo. Merci papa dadi kombonanga mama Mary Mutombo nazali mokambi ya ba mama pleureuse n'église le chemin de Maus nazo bengisa ba mama nyonso oyo bavandi kati na distraction distraction kati na mama ezanini ko vanda kati na ndaku mwasi oyo ebi kotelema na kati ya butu te kubona